Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. Sans plaisir pour mener l'émission Analyse la CAO. Semaine ça, nous allons parler de politique publique. Parce que dès qu'on va parler de gouvernance, on va parler de gouvernabilité, mais il y a un point de vue opérationnel, différents champs d'intervention avec action de l'État, il faut qu'il y ait un instrument qui est les politiques publiques, qui vraiment garde les problèmes en danger et sous qui temps et qui action pour nous faire pour nous bailler de vrais résultats. Parce que ça ne peut pas ici chercher ces résultats. Et par exemple, dans le domaine service, dans le domaine infrastructure, il faut vraiment chaque domaine dans l'État, et soit on prend individuellement ou bien on prend de façon regroupée, il y a à l'intérieur de politiques publiques qui permettent que on garder les résultats, on garder les ressources, on garder les acteurs qui sont impliqués pour faire politique publique, ça devient réel, dans le sens que l'État doit, c'est un État qui est efficace, qui est efficient et qui est capable vraiment de porter problème ou du moins de porter solution dans le problème de la population qui lui-même attend. L'administration Jovenel Moïse fait vraiment à prendre quoique il n'est pas capable de jeune premier ministre, on est divisé même sur nom, alors qu'on est divisé sur programme, sur projet, sur politique, sur vision, vision gouvernementale, vision du monde. Donc, nous revenons au point où nous ne pouvons pas même entendre nous sous nom au monde qui peut avoir un premier ministre, qui lui-même son grand coordonnateur et pour le gouvernement, qui est capable de garder chaque domaine, chaque champ d'action et d'intervention, en façon pour l'État vraiment montrer que son État qui a posé problème, qui a cherché priorité dans différents problèmes qui existent et une solution qui est probable, qui vraiment. C'est des solutions qu'on est capable vraiment considérer comme telles. C'est peut-être ça, semaine ça. Après, nous avons rencontré le professeur Boyard, James Boyard, sous question gouvernance et gouvernabilité. Nous avons parlé un point qui est plus opérationnel, qui c'est les politiques publiques. On fait un coup d'œil sur qui est l'État, quotidien l'État, administration l'État, non système politico-administratif capable vraiment planifier développement pays. C'est peut-être ça, n'a pas recevoir pour vous, maître Yves Lafortune, qui lui-même, yo, comme vous l'avez dit, monsieur politique publique, c'est avec lui, nous allons faire un badger, on analyse sous politique publique. Maître Yves Lafortune, son plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse. Bonsoir, bonjour, Marais, et bonsoir, bonjour, tous téléspectateurs. Radio Télé Caraïbes, c'est un plaisir, vraiment un plaisir pour moi, pour me chita jodi hein, sur plateforme analyse, pour me capable analyser à vous. Et moi, redis lui encore, c'est vraiment un plaisir. Et chaque fois, moi, analyse à la télévision. Et je voulais redire encore que c'est un plaisir pour moi, mon analyse. Très bien. Alors, bon, on félicitations, puisque vous faites que ça montrer que vous avez une combativité. Ou gen méthode, ou gen technique, comme ancien chef de campagne de Patrice Dumont, qui jeudi a, et vin sénateur de la République pour le département de l'Ouest, eh bien, je pense que c'est mise en œuvre de sortir à prendre ici pour au Canada, aux États-Unis, dans les affaires action publique. Je pense que, bon, ma remerciement, parce que je sais que ce sont des remerciements qui viennent du cœur. Mais tout remerciement pas pour moi parce que DM qui t'a joué behind the scene, t'es gagné Kesne Farel, t'es gagné Fofa Exil, t'es gagné France Toussaint. Et vraiment, il faut me dire que j'ai appliqué la première approche Kesne Farel sur groupe côté que, enfin, en zone côté que
nous gagnons plus force là. C'est ça. Et c'est vraiment une tentative de question politique publique là, mais un petit peu moins parce que ça a demandé des spécificités. Mm-hmm. Même quoi tout et forme d'eau que jouer à tes bon tout, ça veut dire mon étape coach là les correct et puis il était porté question élection là avec cœur et moi crois que Haïti méritait Patrice. Alors forme d'eau me prend occasion pour me saluer sénateur Patrice Dumont qui lui-même tout est passé dans l'émission analyse et il était développé projet à programme législatif, un agenda législatif, et nous connaissons ce qui va le travail désormais. Même si, au fait, un sénateur à lui ne peut pas avoir d'agenda législatif, ce qui, en fait, nous venons avec des questions, mais nous avons tourné sur lui, parce que, justement, dans une articulation de politique publique, au côté que l'exécutif n'a pas le parlement n'a pas le judiciaire n'a pas le parlement, ou capable de faire une articulation qui vient de faire qu'on va le dégager. Ça relève un agenda législatif pour capable aider la population à mieux sortir de marasme. On dit que l'émission analysée pourrait passer en province, pourrait passer à l'étranger, et les gens qui pourraient regarder ne pas connaître qui est qui mettre Yves Lafortune. On dit coup de présentation. Bon, moi, Yves Lafortune, c'est mettre Yves Lafortune, moi, fait étudier l'école normale supérieure, littérature, à savoir les lettres modernes. Et puis, moi, avocat, j'ai fait études ça aussi simultanément. Avocat du barreau de Port-au-Prince, j'ai fait une certification Grenoble dans les politiques culturelles et l'administration. Ensuite, j'ai fait un master en administration publique, École nationale d'administration publique du Québec. Et puis, j'ai retourné à faire l'autre master en évaluation de programme. Et puis, j'ai continué à faire des études continues avec une certification en Emerging Leaders, son programme dans Harvard Kennedy School. Et puis là, et nous continuons à faire recherche toujours. Et puis, nous mettons à jour les connaissances que nous avons. Donc, en gros, c'est moi, Yves Lafortune. Et puis, bon, nous avons plusieurs coordonnées à moi. Et des fois, nous avons trouvé que nous sommes un bon animateur de groupe. Quoi. Très bien. Merci parce que vous venez dans l'émission Analyse avec toutes les quantités de savoir, ça y est, savoir faire et savoir être tout ce que dans la société, en conduite et que, qui est capable d'aider. Société, n'importe qui gouvernement, n'importe qui administration politique est capable de servir avec ça au point. Bon, on nous démarre, Yves Lafortune, en matière de développement, l'on a étudié, on a fait des études de développement. Gagne un triangle. Gagne ça, il y a les projets de développement. Gagne ça, il y a les ressources. Et gagner les objectifs de développement. Il faut toujours allier projet, besoin de l'union, besoin de population, un développement qui est axé sur le monde, et gagner des cadeaux objectifs, et puis gagner des ressources qui doivent vraiment aider comme moyen, comme levier pour arriver à un projet. Ça. Donc, en matière de politique publique, je suppose que c'est le même schéma. Que sont les politiques publiques? Bon, et nous avons entré d'emblée dans la question, hein, bien que en fait nous devons faire un tir aller. C'est objectif d'abord, et puis l'objectif, c'est pour chercher ressources pour capable appliquer, enfin mettre en œuvre objectif pour capable opérationnaliser. Pour nous répondre d'emblée à la question, hein, et c'est une question que nous répondons mille fois déjà, mais elle est en pédagogie. En politique publique, les politiques publiques, c'est tout ça un gouvernement décide de faire ou bien il décide pas faire. Donc, C'est les décisions et les non-décisions. Et les non-décisions en étant décision. C'est-à-dire, les non-décisions en étant décision, donc, c'est la politique publique. Parce que tout politique publique, là, entre, je vous dis, là, ils ont l'autre définition qui c'est la science de l'action gouvernementale. Mais pour nous capables d'entrer dans la pédagogie que nous faisons de lien, nous disons que politique publique, c'est tout ça, on l'État décide de faire. Ou bien tout ça, l'État décide pas faire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la première définition qui peut permettre que les gens comprennent que ça n'a pas de. Très bien. Et pour qui ça a gagné la politique publique et les politiques publiques? Eh bien, ça veut dire, il y a un ensemble de politiques publiques. Si on prend les 18 champs actifs de l'État haïtien aujourd'hui, se rapportant, si vous voulez, avec un nombre de ministères qu'on gagne. Donc, ce sont là les politiques publiques. Mais soit prêt de manière séparée, qu'on prend l'éducation, soit prend la culture, c'est une politique publique au niveau de la culture, pour une politique secteur. Publique de santé. Donc, l'ensemble de ces politiques publiques fait ce qu'on appelle les politiques publiques. Oui, mais sous pour un secteur comme l'éducation,
il doit gagner les politiques publiques tout, puisque chaque champ dans le secteur éducation, dans le domaine de l'éducation, il mérite une politique publique. Non. Donc, en dans non, en fait, ce qui arrive, moi, éducation, moi, est-ce que il y a une possibilité pour gagner les politiques non, publiques? Ce qui arrive, c'est que politique publique, là, non, j'ai articulé, c'est d'abord colliger les informations, développer le savoir expert, et puis assurer l'intra-cohésion, infra-cohésion. Intra-cohésion, c'est assurer que tout le monde qui en dans chaîne yo d'accord tout acteur yo et puis intra cohésion c'est toute institution infra cohésion c'est toute institution maintenant qui prend le bon un projet pilote et de projet pilote là qu'on a là on peut arriver dans loi pour entériner à ce moment-là enfin on capable font coup d'œil pour dire les politiques mais c'est la politique publique enfin en éducation qui bien entendu capable dans une dynamique pluriel. Oui, non, articulation, c'est l'entrée dans le pôle de développement. Okay. L'entrée dans le pôle de développement, par exemple, nous avons tenté de faire question ça avec le PSDH, qui est le plan stratégique de développement d'Haïti. Côté regroupé, et question par pôle de développement. Donc, il y a des secteurs qui sont associés. Et oui, c'est-à-dire, où gagne, par exemple, la refondation sociale qui gagne culture, éducation, santé. Et on peut gagner la refondation territoriale qui gagne des ministères qui lient là-dedans, la refondation économique qui gagne finance, qui gagne ministère de la planification. Mais c'est vraiment une articulation de plusieurs entités qui baou, souvelé, un pôle de développement que ont ensemble d'acteurs à assurer. Donc, souvent 18 ministères, vous avez droit regrouper en quatre, par exemple. Il y a pas qu'à enfin, il y a un travail qui était fait déjà et travail ça relève le PSDH, le plan stratégique du développement d'Haïti, les regrouper en quatre que nous sommes dit tout à l'heure, la refondation sociale, la refondation économique, la refondation institutionnelle et la refondation territoriale. OK. Donc à partir de ce moment, et les politiques publiques, c'est un d'accadou le au quotidien de l'État, c'est l'État, dans le niveau administratif, nous le niveau opérationnel. Nous t'ai dit tout à l'heure, c'est la science de l'action gouvernementale. Oui, c'est ça. Dès lors, par exemple... On dit politique publique ou action publique? Action publique. Dès lors, par exemple, où l'État existait, dès lors qu'on gagne des ministères, dès lors qu'on gagne des praxis administratives, donc à ce moment-là, on tombe dans c'est la science de l'action gouvernementale. Dès que le gouvernement agit, nous entrons dans sa mise en œuvre politique publique. Okay. Évidemment, pour entrer dans la mise en œuvre, il faut commencer d'abord par élaboration, par analyse, et puis pour assurer des principes, des grands principes des politiques publiques que nous souhaitons mettre en phase solide, qui c'est colliger les informations, développer le savoir expert, s'assurer de l'intra-cohésion, s'assurer de l'infra-cohésion, qui peut le permettre ou capable de faire mise en œuvre. Parce que mise en œuvre, là, les ontigens à pas. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut faire l'analyse et l'élaboration des politiques. Alors, pour bien comprendre, surtout étudiants en sciences politiques ou bien en politique publique, et Captain Dela, gagner tout un schéma tactique pour capable de monter des politiques en publiques. En fait, c'est un schéma d'abord, directeur. D'abord, c'est mise en agenda. C'est-à-dire, faut qu'il fait partie de volonté politique gouvernement pour l'orienter vers tel champ. Parce que le gouvernement n'a pas décidé comme ça pour entrer dans tel champ ou bien pour allouer telle ressource à tel champ. Oui, justement, parce que... d'abord et mettez point ça dans l'agenda. Ouais. Hein, pas vrai? Là, on a parlé de décision. La décision. Oui, mettez-le dans l'agenda, formuler des propositions et puis gagner toute question de mise en œuvre pour être capable d'atteindre des résultats. C'est désormais, je crois que question résultat. Il y a tout un ensemble d'évaluation qui a fait ce résultat. Mais avant nous arriver là, qui gens, par exemple, gouvernement haïtien comprennent la problématique des politiques publiques? Bon, en fait, m'interroger tellement pile sous question ça, sur la compréhension des politiques par rapport à cette science ça qui est plus ou moins moderne, c'est-à-dire qui commence à se développer il y a 30 ans en Amérique du Nord et vraiment m'interroger sur la compréhension. Parce que leur comprendre la politique publique, là, leur comprendre l'enjeu science, ça va de soi que obligé d'interpeller tête. Parce que, justement, il faut ou élaborer la politique publique. Là. Leur fin élaborer, le coup n'y a là, il faut qu'il fait des bandes dans la société. Certains spécialistes parlaient de cycle de politique publique
et encore analyse des politiques publiques. C'est simple, c'est comme un projet. Fait différence ça pour nous. C'est simple. Analyse des politiques publiques. Analyse des politiques publiques, ça veut dire jodi là, on doit prendre si me dit que me va analyser politique publique qui est en cours là. M'aller dans pi ancien document qui sorti sous ensemble de politiques publiques. M'analyser à partir des indicateurs. Okay. Et les m'analyser à partir des indicateurs, m'a besoin des données. Et donner ça yo si par exemple moi voulais entrer par exemple dans l'autre cycle de politique publique là, c'est évaluation pour le permettre moi faire. Bon, bien entendu ici nous pas trop voulait faire évaluation. Donc il faut faire l'évaluation. C'est un document de référence que l'État ici capable par exemple des SNCRPA, t'as capable servir dans un document de base pour voir ça Haïti a mené en termes en fait des SNCRPA, c'est comme si on sortit dans des SNCRP ou tomber dans PSDH. C'est-à-dire c'est des outils qui étaient là pour nous capable adresser politique publique. Qui genre ça arrivé par exemple, on dit que on président monté là et puis il dit que il fait une politique générale côté que il dit mais ça le fait en éducation, mais ça le fait en culture, mais non, ça le fait etc. De président, on parlait de un chef de gouvernement. Enfin un président, un chef de gouvernement. Merci. Et puis qu'on est là là où fin gagne tout ça, c'est un ensemble de politiques publiques qui va appliquer. Maintenant, non technicité, il veut que le tapis bon qu'on regroupe yo. OK, ce qu'on appelle des pôles de développement. Mais là on a parlé d'un côté très pointu. Et qui pourrait permettre souvler ou faire mise en œuvre ça yo de sorte que population capable de joindre des satisfactions. Mais moi je vais répondre à la question qui parlait de cycle. C'est même genre projet. Là ils font projet à une première phase. Donc on vont faire deuxième phase là ou font évaluation pour connaître si vous pouvez aller sur même lancé. OK, à mi-parcours pour connaître si on est capable de faire des corrections sur le deuxième temps ou bien sur le troisième temps. Ça dépend de combien de phases le projet ça a gagné. Et mais politique publique, c'est ça. On dit que, ou dit que pour la culture, par exemple, vous voulez que les sont vecteurs de développement. On a dit que vous voulez que l'éducation, c'est base maîtresse. Enfin, il y a un agenda qu'on gagne. Maintenant, l'on commence et en faisant, par exemple, et ça a demandé en politique publique que nous sommes dit à l'heure, qui c'est colliger les informations, développer le savoir expert. Et puis, à un moment, on peut mettre un projet pilote qui peut le permettre. Et de projet pilote, ça, on peut faire évaluation pour qu'on puisse aller sur le même lancer. Donc, politique publique, là, il marche de pair avec, avec évaluation. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il faudra évaluer tête. Ça veut dire que, par exemple, on dit que ou dit ou vient un programme que l'est maman chérie. Donc, il faut qu'on capable, à un certain moment, ou garder tête ou faire évaluation. Donc, là, on parle d'évaluation, on parle d'évaluation des besoins, on parle d'évaluation de qualité ou bien quantité actuelle par l'impliqué. Évaluation mise en œuvre politique. Là. Est-ce que c'est une évaluation tout de ressources yo? Parce que, en fait, pour être pour Haïti, il n'est pas capable de faire projet même déjà avec les États-Unis. Mais ça va de soi. Mais parce que les ressources, il faut aller vendre, il faut aller chercher. Est-ce que, là, on parle de ressources, on parle de moyens. Est-ce que l'évaluation, c'est différents paramètres avant de faire un projet, avant de faire ou mener une politique? Bon, en fait, ça dépend de qui vous prenez. Maintenant, si vous menez une politique publique, par exemple, en éducation. Par exemple, nous dit que je dis là, ou gagne combien de pourcents en alphabétisme, ou dit tout, ou bah tout 5 ans pour résoudre le problème en alphabétisme, pour faire le passer de 80, de 20% à de 60% à 40%. Le plus souvent, c'est ainsi que l'on se fixe les objectifs. C'est sur base pourcentage. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, ou voulez éradiquer, ou voulez résoudre. Maintenant, il faut se fixer des objectifs. Donner d'appréciation. Et comme on parle de résultats aujourd'hui, il ne peut y avoir de résultats s'il n'y a pas eu d'objectifs fixés au préalable. Ça veut dire que faut avoir un ensemble d'objectifs et sous base objectif, ça va atteindre tel résultat. On a dit que ou dit que ou besoin faire deux tout terrain et dans 20 minutes ou bien dans 10 minutes. Sous faire deux tout terrain dans 10 minutes, ça c'était objectif tout est fixé tout. Sous arriver faire en 8 minutes. Ça veut dire que ou fait à 80%. Tant mettre la fortune. On est très clair sur ça. Et pour un sportif, c'est question d'entraînabilité, faut une condition physique. On parle de l'État, je dis là. L'État haïtien qui lui-même a retiré la capacité pour le prêter au niveau international, qui c'est dans le domaine bilatéral ou bien et multilatéral, lui vraiment pas capable de prêter. Les ressources sont très maigres. Or, en général, dans le système politique, là, pour bien mener en politique publique, il faut d'abord compter sur le soutien qu'on a.
pas vrai? On regarde les demandes, on regarde les soutiens, et au fur et à mesure, il faut regarder et intrants qu'on va disposer de yo okay. Et extrants qu'on va obliger okay. Et montrer visiblement. Donc, on a les. Par exemple, si nous prenons le domaine éducation que vous parlez là, qui okay. Gens pour mener une politique publique dans l'éducation qui permettent, moi dit, de gagner un pourcentage de monde qui est dans tel niveau, parce que je ne parle pas 55% en alphabet là très rapidement. On dit que nous avons ciblé des groupes à problème en éducation. Ou que nous avons une politique publique dans le domaine formation, par exemple, pour les mettre. Ou que nous avons une politique publique, et pas vrai? Non. Et pour non. Améliorer les conditions, tranche d'âge. Voilà. Et pas mettre une politique publique pour formation. On dit que l'éducation est une politique publique. Ok, pourquoi? Maintenant qu'on est là, politique publique, ça. Ou pour chercher des informations. Et ou pour développer le savoir expert. À savoir. Puis, ou pral, ça veut dire que ou pas qu'à résoudre le problème d'éducation si on pas des experts en éducation. Ouais. Donc, vous réunissez un ensemble de monde qui. Ça veut dire, l'offre qu'on a tout problème. Connaissance. L'offre qu'on a tout problème, ça veut dire quantité de taux d'analphabétisme. Et même qui orientation vle ba éducation. À ce moment-là, ou développer ce qu'on appelle le savoir expert. L'offre de savoir expert. Là, savoir expert, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des gens aujourd'hui et qui proposent. Ou il y a trois catégories. D'abord, il y a des gens qui vivent. Ou il y a des gens qui ont étudié, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont étudié les sciences de l'éducation à haut niveau, à niveau maîtrise, à niveau doctorat. Donc, on va chercher une banque de ressources ça, pour qu'ils puissent venir. Ou des étrangers qui ont capable. En fait, ça veut dire que c'est le savoir expert. Le savoir expert n'a pas de frontières. Okay. Mais toujours est-il dans les objectifs fixés. Il faut que vous pas entrer dans ça un clash culturel. Ça veut dire que faut vraiment ou faire une politique publique éducation pour Haïti. À ce moment-là, faut colter étude faut, là voilà, à réalité. Hein? Voilà, à réalité. Donc maintenant c'est ça que fait au besoin toute information. L'offre une information. Alors c'est une question de démarche. Oui, méthodologie. Okay? Méthodologie. Et on dit que mais état éducation, c'est-à-dire que dans tout gouvernement enfin président qui a monté l'éducation est toujours un grand problème pour eux. OK, maintenant, il faut avoir des informations. Ça va de soi. Donc, pas un monde qui n'est pas d'accord avec l'éducation. Pas un monde. Donc, l'éducation, c'est une politique publique. Première démarche, là, c'est colliger les informations. Toutes les informations, généralement, quelconques sur l'éducation, il y en a pas nier. OK. Maintenant, l'offre, il y a toutes les informations. Il y a, par exemple, 3000 écoles. 3000 l'école, ou gagne un pourcentage privé, qui pourcentage public. Second. Maintenant, qui s'est offlayé, qui s'est offlayé. Ok. Maintenant, qui objectif fixé? Est-ce qu'on a besoin d'éducation pour tous? Qui soit pas le fait? Faut pas faire en sorte que on vienne plus l'école privée, publique que privée. Ça défini dans des objectifs. Maintenant, qu'on est là, on va avancer. L'offre vient toute information ça. Ou besoin de développer le savoir expert. Ok, information. On a essayé d'étaler les domaines, détailler ou même, ventiler. On dit par exemple, il y a une quantité de mètres qui est intervenu. Il y a 20% qui ont une belle formation. Il y a 50% qui ont un diplôme ou sans diplôme. Mais il y a 10%. Toutes ces informations qui sont dans le panier. On y a un point par exemple, curriculum, la question programme. Toutes les informations que vous devez avoir sur l'éducation de manière généralement quelconque, on met tout dans le panier. L'état des établissements. L'état des établissements, la quantité des maîtres, le niveau de formation des maîtres, les infrastructures éducatives, tout. L'éducation civique, la citoyenneté. Qui est à cerveau, Timounioye, pour recevoir. Capacité à manger, qui est donc, laissez-moi mettre tout dans le panier. Qui est à enseignement, apprentissage là? Pas un problème. Pour nous mettre tout ça dans le panier. Maintenant, c'est le savoir expert qui va le permettre tout, orienter, ok, objectif qu'on a au préalable. Lorsqu'on a un savoir expert, il faut assurer qu'on a pas oublié qu'il faut fixer un objectif. Qu'on a pas l'entrée dans sa relais intra-cohésion. Intra-cohésion, ou assurer que tout acteur en dedans chaîne éducation d'accord. Intra-cohésion. OK? Alors, un minimum d'entente, parce que y a tout peuple d'accord. On intra-cohésion, c'est-à-dire, ou pas fin d'entendre nous. En fait, mais il faut nous joindre. On terrain d'entente. On terrain d'entente. L'offre, qu'on nous parle dans ce infra-cohésion. Et là, dans l'infra-cohésion, il peut demander un volet pluriel dans le côté politique publique, là, parce que nous dit que. Je dis là, il y a des pôles de développement.
Parce que automatiquement, on entre dans l'éducation, on commence à question, faut que mon manger, on commence à entrer dans la santé. Et c'est là ça, comme si vous parlez que non pôle de développement, éducation marché de pair avec la santé. On a privé sur ça. Lors fini en infra-cohésion ou développons un projet pilote. Un projet pilote. Qui genre, par exemple, qu'on a parlé de transversabilité, transversalité. Qui justement, posé dans le champ où on parlé là pour éducation, ils sont champ transversal. Okay. Ça veut dire que pas de monde en dans il m'a parlé à d'autres problèmes. Absolument. Donc, côté transversal, ça a demandé en technicité, il a demandé en approche. Sous pas moyen système. Non? Voilà. Et ou risquer de passer à côté. Et c'est ça que fait, l'on entre dans ce bagage, il faut qu'on fasse évaluation continue. Voilà le rôle de l'évaluation. L'évaluation en mi-parcours, comme on est là, et l'évaluation continue qui a permis de faire des corrections. Et pas oublier qu'en politique publique, ce n'est pas chita comme si Mdadou dit que Haïti, vous voulez Haïti un pays émergent en 2030. C'est très intéressant. Ce sont belles paroles pour dire Haïti émergent. C'est comme moi, je dis, on n'entre pas dans la modernité. Là, on me dit, on a besoin d'entrer dans la modernité. On doit s'inscrire dans la modernité. C'est un ensemble d'actions que vous menez et action ça va permettre que vous circonscrivez dans la modernité. Donc, en dans la politique publique, là, donc, il y a toute une démarche. Mais pas oublier dans toute démarche, ça demande ce qu'on appelle un savoir-faire. Ça veut dire que ce n'est pas où on question et M. Remaré et trouver le jour d'hier là en dans Radio Télé Caraïbes, la fois émission que les analyses, il pas paré pour le faire et puis il dit le ou la façon l'a fait analyse là. Non, pas de secret dans fait coup là. C'est de l'eau, c'est gaz carbonique. On dit quelque chose façon parce que pas le ou la façon, c'est non, la façon. Non, c'est-à-dire non. La n'a fois en fait, nous participer dans pédagogie la rue hein, pour nous capable faire monde comprendre. Ça veut dire que c'est des domaines très pointus et d'abord, il faut comprendre les politiques publiques pour capable agencer ces questions, mais dans côté diversifié politique publique là, c'est ma parole de côté qui est pointu, côté que éducation joue avec sport nécessairement, côté que éducation joue avec santé nécessairement, côté que éducation joue avec culture, la culture nécessairement parce que aujourd'hui, notamment je veux dire expliquer on élève et l'école une dimension culturelle dans l'école, là, pour m'expliquer ce que Émile Saint-Lô a dit aux Nations Unies. Je vais m'expliquer, par exemple, une question sur Price Mans, pour m'apprendre la citoyenneté qui prend le fait que... Mais une question sur spiritualité, tout. L'éducation est liée à la spiritualité. Bon, ça, comme nous ne va pas entrer là-dedans, mais même une question de laïque, mais même dans la laïcité. Non, mais c'est justement sur le problème de la laïcité, elle est liée à la spiritualité. Bon, c'est écoute... qui, Jean, ou est spiritualité, là? C'est pas... pour quitter un groupe prend le dessus de sous l'autre groupe yo, mais c'est ouverture qui gagne pour si haïtien a formé là li capable de recevoir les autres cultures. Bon, et écoutez, par rapport à bon là les autres que aujourd'hui on n'évolue pas en vase clos, ça veut dire que n'a frotté avec toute culture, mais bon, sauf que c'est dommage. Je dis là, nous pouvons parler d'une identité. Okay. Mais justement. En fait, pour une identité, c'est vraiment une politique publique sur identité qui, identité à même l'entrée dans diversité, à quoi elle permet quand même qu'on identité propre. Là, donc vraiment... là, nous entrons dans l'autre domaine. Alors, ce que Leslie François Saint-Wok Maniga t'a relé et question spécifique. Donc, nous-mêmes, au lieu de nous n'avoir des questions dans la pédagogie ou dans la parole, pour que nous soyons capables de bien. Parce que la politique publique en soi, ce n'est pas un bel mot qui sort dans le ciel. Évidemment, on va qui passe là qui est intéressant. Aujourd'hui, en pile dans le monde qui est politique, il n'y a pas entré dans le discours, il n'y a pas parlé de politique publique. Je crois que je dis, le président de la République, dans le discours, il n'a pas mentionné politique publique 5 fois. Et donc, c'est intéressant. Mais maintenant, opérationnalisation alimente dans cette capacité c'est sous base capacité ça parce que émission ça li joine ancrage li pour le capable s'ouvrir permettre moun yo appréhender et comprendre. Merci Yves Lafortune, c'est un plaisir vraiment pour nous débattre de questions ça qui li même vraiment li aiguisé li pointu. Ça veut dire l'homme veut faire un bon dessin ou utiliser un crayon qui a bon mine avec taille crayon beaucoup d'eau qui chaque fois ouais mine crayon pour affaisser abîmer et ben ou refaire encore et bien politique publique là il fait partie de niveau scientifique à technique
Pour pas que nous parlions et trop parler sur lui, discuter sur lui, mais hélas, l'avenir de tout pays, de tout individu, il est lié à la technique, à la science. Et la relation même que nous définissons avec la science, c'est lui-même. Même il va dire qui est bon politique publique, n'a pas appliqué dans le pays. Maître Yves Lafortune s'est invité à aller jeudi à la Fonti parler sur l'État et les politiques publiques. À tout à l'heure. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous avons débat de l'État et des politiques publiques. Ça veut dire qui vient pour système politique et administratif. L'État haïtien, il marche tellement bien que nous avons gardé demande population, besoin, nécessité, nous avons gardé qui apporte, qui soutient, qui ressources nous gagnons pour eux. Et en final, nous avons gardé résultat, ça va leur bien mener en politique publique dans le domaine côté où on vraiment efficacité et performance. Et justement, il parle de politique publique comme un instrument l'État gagne pour être capable de venir avec équitabilité. Ça dit que faut tout le monde joue dans la bataille pour progrès et développement. Et si pour tout le monde joue, faut que les ressources qui sont disponibles, c'est pour un petit groupe qui joue, tandis que un grand groupe lui-même qui ne joue pas rien. Donc, quoi que son souci de, d'équitabilité, d'équité que l'État menait, le pratiquer en politique publique. Bon, qui l'État doit mener. Côté moun en haut, côté moun en bas ou bien en mi-temps, eh bien, tout le monde joue, par exemple, en politique publique qui est liée à service, l'heure de l'eau a venu, tout le monde joue de l'eau. C'est Manuel qui, vraiment, gouverneur de la Rosée, montrer comment nous sommes capables de mener en politique publique pour nous suspendre vivre et même gens avec délira, délire doux. Nous mourons tous. Ouais, si nous ne sommes pas capables de pratiquer équité, équitabilité, côté nous utiliser les ressources que nous faisons ensemble pour nous capables de mener de bonnes politiques, côté chaque monde joigne. Si nous faisons une bonne école, nous faisons une bonne école pour tout le monde. Si nous avons un dispensaire dans la zone, là, qui est plus petit côté, nous avons nos premiers soins, et bien que nous faisons jusqu'à ce que nous ayons l'autre type de l'hôpital, l'hôpital de référence, qui permet que la population sente ça lui est perdu. Dans la hiérarchie sociale, là, dans le sens, c'est grand qui gagne un mel, qui profite de tous les biens et produits du pays, et bien, maintenant, quel soit côté lié dans le pays, sous territoire, il est capable de joindre un service l'État a offert. Donc, on allait. Moi-même, je t'aime, pendant la fois analyse de tous les paramètres politiques publiques, gagne là-dedans, nous étions sous trois fondamentales. Par exemple, puisqu'on a parlé de gouvernance avec gouvernabilité, gain ça relé le jeu des acteurs, gain ça relé les ressources, gain ça relé les résultats. Qui instrument qui permet que vous analysez acteurs? Au et fait, qui sont ces acteurs au en fait, matière de gouvernance? Au fait, et bien quand on parlait de gouvernance, pendant qu'on a parlé de politique publique. Mm-hmm. Gouvernance, c'est justement gouvernance permet que soit pour une définition gouvernance, c'est à gouverner. Au même sens de manager. Mais plus que mais ça, sauf que, il fait appel à la coordination. Sauf que, en fait, dans la modernité, la gouvernance, elle vient demander une dimension plus élargie. Mm-hmm. Ce que m'entendent pas là, aujourd'hui, là, dans la gouvernance, il faut que tous les acteurs soient, enfin, agissent, mm-hmm. mais soient impliqués mm-hmm. Dans la chaîne de commande. Ça veut dire que aujourd'hui, hein, c'est pas M. Moussignac qui pouchit en bas et puis il dit que le tout bagay marche bon moment, faut que Oumaré qui fait analyse, faut le déléguer. Faut même pas déléguer. À un certain moment, faut gagner, c'est ça que je parlais tout à l'heure, de intra-cohésion. Mm-hmm. Tout le monde d'accord sur lui mm-hmm. et le ça, on va entrer dans sa bonne
gouvernance. Et ça, chaque monde est devenu une compétence. Politique publique, dans tout, l'interpeller, ça aurait la bonne gouvernance. C'est-à-dire quoi, parler de acteurs, parce que les acteurs sont sûrs. Ce sont les politiques, ce sont les citoyens, ce sont les groupes organisés. Donc, ça, ce sont. Connaissez-vous. Voilà les acteurs. C'est-à-dire, connaissez-vous dans la mesure où on fait appel à ces connaisseurs pour que ces connaisseurs donnent leur part de don dans la chaîne de la politique publique à appliquer ou à être à, qui sera donc mise en œuvre. Donc, ça veut dire que ce sont ceux-là, c'est les acteurs. Maintenant, on va parler de ressources. Bon, évidemment. Non, avant de venir là, qui instrument qui permet que vous arrivez à analyser ça? Bon, ça veut dire que dès qu'on entre dans la politique, il y a les acteurs. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders. Mais maintenant, résultat, c'est pas partie de acteurs, c'est acteurs par rapport à objectifs qui pourraient permettre de faire analyse ou parler. Donc, acteurs définissent un ensemble de politiques publiques. Ou bien acteur principal la définit ensemble de politiques publiques. Côté que les parties prenantes, yo chaque a joué rôle yo pour capable mener politique publique là, pour capable assurer mise en œuvre politique publique. Alors là, pas oublier que n'a pas les acteurs yo. Et yo dit par exemple dans système politique administratif, gien ça relait les décisions à prendre et les actions à entreprendre. Pas vrai? Qu'on y a fokou à chaque fois gien des instruments qui dit pour qui ça telle décision, pour qui ça telle action, suivant tel résultat, mes besoins atteints. L'on entre dans la gouvernance. Et à quel moment on doit prendre décision? Non. Est-ce que un instrument ou ensemble d'instruments, un jeu d'instruments qui permettent qu'on analyse l'acteur? Oui, justement. Et depuis la nuit des temps, le test des trois passoires de Socrate, par exemple, c'est un instrument qui permet pour prendre décision. Est-ce que le juste, est-ce que, etc. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui ont fait des définitions sur, enfin, qui ont fait des cours, qui ont fait des grands séminaires sur la prise de décision. Alors, mais la prise de décision entrait aussi dans la chaîne des acteurs. Okay. Moi, quand nous, on essaie. Non, alors, c'est parce que le nom a fait Sciences Po, au moins, j'ai opposé le problème acteur et en hiérarchie. Alors, en verticalité et en horizontalité, il y a acteurs qui sont même là. Oui, ça va de soi. C'est niveau horizontal là, mais il y a tout un hiérarchie tout qui permet que en l'air, bas en bas, jusqu'à ce que la décision finale la fin pas atterri. Et puis, c'est de ça, il y a tant de résultats là, mais tout le monde qui est intervenu dans la décision. Ça va de soi. Par exemple, on parlait de rapport qui vient en politique publique et loi. Nous pouvons le faire en parenthèse, ou pouvons le faire très rapidement. Une des lois qui est déversée la connaît en Haïti, c'est la loi sur le salaire minimum. Et qui s'est passé, il y a le sénateur Steven, à l'époque député, le sénateur Benoît, qui à l'époque député Benoît, fourré Mel dans le Pléa, la font agitation. Il dit bon, injustice, bon, inégalité. À un certain moment, au lieu que Bagala fait débat, j'en le fait débat, c'est la rouille qui montait au créneau et il faut décider. On a décidé d'emblée que le salaire minimum passe de saleté à 200 gouttes. Tout le monde dit, enfin, même là, il était mandé le poupi plus, donc il y a eu une décision au palais national, tant qu'on l'a dit dernièrement, et on a décidé ces 200 gouttes. Maintenant, il n'y a pas eu de débat dans la société. C'est ça, Abdoulaye, la pertinence des acteurs. La pertinence des acteurs. Maintenant, toutes les parties prenantes n'étaient pas impliquées dans la question. Donc, il fallait aller vite. Et sous base, aller vite. Donc, je veux dire, qu'est-ce que ça représente 200 gouttes par rapport à cette situation d'inflation que nous vivons? Donc, quelque part, cette loi ça, parce que pas oublier, moi-même, je vais faire parenthèse ça. Justement, pour nos pères conscrits, chaque bon loi n'a pas de là, mon lot de raisons de loi. Chaque bon loi n'a pas de et au fait, les lois n'ont pas visé à entériner en politique publique. À ce moment-là, c'est comme Montesquieu dirait, il n'y a aucun esprit dans ces lois-là. Oui, parce que moi, il y a une question délirante, très bien. Ça veut dire que, comme l'autre dit, la vraie vie, c'est la littérature. Donc, si toutes les parties prenantes ne sont pas impliquées et la décision qui est prise, parce qu'une bonne décision, bon, c'est que toutes les parties prenantes sont dedans. Et à ce moment-là, même si on minimum d'accord, on consensus. Donc, à ce moment-là, et lui permettre d'arriver vers un loi, pas bien plus belle passer ça. Donc, à ce moment-là, c'est la politique publique. Et la conçue
élaborer, mise en œuvre, et mise en œuvre la besoin en dimension coercitive avec la loi. Mm-hmm. Donc la loi maintenant vient entériner. Même acteur même qui est d'accord qu'on punit, d'accord, si parce que respecter le contrat, nous passons ensemble. Oui, il y a d'accord sur lui. Mm-hmm. Donc, la société a un esprit. Un moral. Un moral. Un enfin, moral la, populaire, un moral, voilà. Moral social. Donc, ça veut dire quelque part, et un genre qui fait question. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que nous avons parlé d'acteurs. Mm-hmm. Mais maintenant, qu'on voulait le parler. Mais prenons un ministre qui pèse du portefeuille dans l'environnement, parce que tout simplement, il a demandé pour dégager les gens qui sont sous le monde de l'hôpital. Parce que Kaysa, normalement, pas de droit là. Dans une zone protégée pour l'hôpital là. Et voilà que le président en conseil des ministres est d'accord avec le ministre de l'environnement pour de caser caillou dégager mon dans zone ça et quitter le pour les plantations de villadan en façon pour être protégé et tout les bassins versants yo mon qui en bas yo c'est pas là où la pluie tombe pour recevoir la boue et bon on va faire carré tourner une question parce que il est clair que est-ce que ministre même perdu portefeuille parce que tout simplement l'elle pral mettre mesure ça en application président Mandel qui est-ce qui te d'où fait ça bon ouais, là donc, on entre dans inadéquation oui c'est ça c'est ça c'est une question, inadéquation qui vient qui... dans la gestion de l'État. Mm-hmm. Maintenant c'est ça fait toujours plus bon pour avoir certaines connaissances de l'État. Mm-hmm. Et autour des années 89, le président Leslie François Saint-Maniga avait interdit que vous ayez fait caille dans tout canapé vert là, etc. Mm-hmm. Bon, ouais, ça prend le vin de nous. Mais aujourd'hui, vous avez droit à faire en sorte que l'environnement soit politique publique. Mm-hmm. Et vous dites tout, vous avez besoin d'air protégé, un ensemble de mesures que vous pouvez prendre. Il y a une conception. Et il peut permettre d'analyser le système non? En ayant toutes les informations pour dire mais qui sauve l'effet de l'environnement pendant 5 ans. Mm-hmm. Ça, c'est l'objectif fixé. Mm-hmm. Et maintenant, vous pouvez faire des bandes dans la société a, pour capable arriver à faire mise en œuvre de toutes mesures que vous prenez. Mm-hmm. Et mise en œuvre, vous avez besoin des lois, avec cette dimension coercitive, mm-hmm. pour faire en sorte que la question environnementale. La loi de soulager, elle doit punir. Absolument. Okay. Donc ça veut dire que ce soit en environnement, que ce mm-hmm. soit en éducation, que ce soit en santé. C'est là la problématique du savoir. Mm-hmm. Ça veut dire que faut qu'on capable gagner savoir là mm-hmm. pour dégager vision. Et la vision elle sortit d'en haut. Mm-hmm. Donc et puis, c'est de vision hein, pour pas permettre gain acteur yo qui comprennent enjeu. Dynamique là, qui comprennent enjeu yo. Mm-hmm. Et de acteur qu'on y a là pour interpeller les ressources bien, aussi mec que... qu'elle soit, mais aujourd'hui, nous capable gagner des formations qui capable rendre optimal des ressources. Mais maintenant c'est cette articulation entre mm-hmm. les acteurs les ressources et aussi les parties prenantes qui ces sociétés civiles là mm-hmm. qui t'a doué à faire un monitoring. Alors c'est d'abord on nous fait précision ça que les acteurs sont des ressources aussi. Des absolument. Ressources. Absolument. Hein? Il y a que des ressources humaines. Voilà. Il y a des ressources humaines. Mais on isole principe acteur par rapport à ressources financières et ressources matérielles. OK. On nous fait une analyse de ressources. En général, on met nos politiques publiques qui compte commencer leur analyser ressources. En fait, là maintenant politique en fait, on a dit par exemple ouvrir une politique publique sur la culture. Maintenant, il faut faire l'état des lieux. Mm-hmm. Faire en sorte que tous les acteurs s'asseyent. Maintenant, dicter tout qui s'ouvre. Est-ce qu'on mène une politique publique sur les infrastructures culturelles, mm-hmm. sur le les patrimoine. Les opérations culturelles. Non. Oui. Opérateur, vous pouvez le mettre en côté, vous pouvez le chita, vous pouvez le définir ensemble avant. Mm-hmm. Et c'est avec opérateur, vous pouvez le définir qui sont les faits. Automatiquement, définir qui sont les faits. Donc, chaque monde a un rôle. Mm-hmm. Maintenant, vous pouvez le faire en sorte, vous pouvez le dire ministère de la Culture, il est là pour suspendre les faits. Rôle son rôle de régulation. Mm-hmm. Et vous avez inventaire de patrimoine. Non, mais écoute, en patrimoine, parce qu'il y a plusieurs gens au niveau de la culture, par exemple. Mm-hmm. Et puis, qu'on y a là, vous pouvez le gagner en dimension qui peut lier à ce qu'on appelle. Les grands événements, les événements majeurs. Mm-hmm. Les événements majeurs, vous pouvez prendre des fêtes patronales, mm-hmm. et puis vous pouvez prendre le carnaval, par exemple. Mm-hmm. Mais maintenant, festival. Étant donné que le carnaval est une prérogative municipale, du lieu de la culture, un des acteurs les plus prépondérants du lieu de la culture à avoir, c'est les municipalités. Mm-hmm. Côté que, en dedans,
dynamique là, on peut voir que Mérian li en dans une dynamique de travail intense avec l'État central et le soir il y a deux meilleurs résultats. Donc c'est le définit normes. Et justement, l'on entre dans l'ordre méthodologique là. L'ordre du municipalité, c'est le définit normes et c'est lui même tout qui exécute. Non, on a dit que li défi li même li entre dans opérationnalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que les normes, au milieu. Ça veut dire au niveau de la culture, ça se fait au niveau central. Okay. Ça veut dire que voilà les objectifs fixés pour la culture étant donné que la culture est une politique publique fixée préalablement dans la déclaration de politique générale. Je veux, par exemple, on a dit que moi, je voulais créer écrivain. Mais meilleure façon pour me créer écrivain, faut me capable permettre que Café Philo, faut me permettre que et Anne-Marie Morissette, faut me permettre que Focal, faut me permettre que infrastructures culturelles, les infrastructures culturelles qui ont fait reproduction de la culture. Les bibliothèques, c'est eux. Et là, je vais jouer pour me plus écrivain. Pas de secret, non, fait quoi là. Okay. Donc, c'est des entités que je vais bailler en politique publique, là, en politique culturelle, je vais injecter, je vais investir dans eux. Et en retour, ce n'est pas un intérêt que je vais gagner. Ont été financiers, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire tout combien de monde Daniela Ferrière fait entrer à partir de la tombe Ganda? Est-ce que vous êtes capable de connaître combien de monde Lionel Trouillot fait entrer dans le pays à partir de Bissandia? Non, nous ne pas arrêter ce détail, on doit essayer de comprendre. Ça veut dire, on prend une politique publique qui peut être une politique publique de la culture, par exemple. Ça veut dire que vous entrez dans toute partie pour les opérateurs, mais les ressources sont là et de toute façon, elles sont d'abord les acteurs et les ressources aussi sont les parties prenantes. Et les ressources, c'est aussi des gens qui ont un système, non, même si ils n'ont pas gagné formation. Parce qu'en dans politique culture, politique publique, quoi, maintenant, ils visaient à former les éléments avec lesquels ou appelés à développer politique publique. Ça veut dire que la formation est intrinsèque aux politiques publiques. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je fais politique publique en éducation pour ne pas former des maîtres. Je ne peux pas faire politique publique de santé pour ne pas former des médecins. Et là, pendant que je parle de médecins, vous voyez les gens, vous pouvez trouver que mon débordement. Mais maintenant, aujourd'hui, pensons par exemple à une politique publique de la santé. Depuis 2000, dans la recherche que nous avons fait dans la consultation résultat, 80% des médecins qui forment l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ils ont parti à passer ça à l'USML et matching aux États-Unis. Et puis, c'est des gens qui prennent plus d'investissement dans le pays et ou perdu au bout du compte. Maintenant, c'est justement parce que ou pas une politique publique de la santé qui permette pour un brigadier Mounsayo pour aller. Parce que de toute façon, dans tous les pays du monde, Jean-Enol Buteau aurait été un grand médecin. Dans tous les pays du monde, le docteur Junot Félix aurait été un grand médecin. On ne va pas faire des détails. Mais cependant, ce n'est pas ressources que nous manquons. Nous pas manquer ressources. On regarde le troisième tête triangle. Pas oublier de dire ressources, acteurs. Ressources et résultats. Comment on fait l'analyse et l'évaluation des résultats? Écoutez. Quel est le problème de mon résultat? Bon, je ne sais pas. Je vais appeler un cas médical. Il y a des maladies de pouparet, des symptomatiques. Depuis que je suis sous, je vais dire que apparemment en bonne santé. Si je ne suis pas aux yeux rouges, je ne suis pas anémié, je ne suis pas de purée au niveau dentaire. Donc, quels sont ces indicateurs de bonne santé? Sans beaucoup aller. Madame la santé, alors moi, je suis au non, je ne suis pas allé, non, je ne prends aucun risque. Ça veut dire que alors, vous voulez, madame la fortune, c'est au médecin. Non. Peut-être que vous suivez pas, pas. Même pas ça. Dans la lecture, il n'y a pas de frontière dans la lecture. Je parle de. Vous parlez de qui j'aime capable de mesurer. Les résultats. Mesurer, évaluer. C'est la pertinence des résultats. Il y a des indicateurs. Dès que vous pouvez être dans un pays où on compte si son pays qui en voie de développement, dès que vous descendez à l'aéroport, ou montre au marché, nous comptons si son pays en voie de développement, ou comptons si son pays qui est développé, ou comptons son pays. Émergent. Il y a des indicateurs émergents. Donc, parce qu'il y a des indicateurs. Ça veut dire que c'est là, par exemple, pour comprendre, par exemple, l'État en déficit de stratégie, il tombe dans le spectacle. Parce que les indicateurs sont là, niveau de vie dans l'aéroport, niveau salubrité dans la rue. Est-ce que parce qu'on parle d'indicateurs, là, on parle de résultats tout avec S? Je m'a parlé de grands résultats, résultats à grand R et petits résultats avec petits R. Les résultats, ce n'est pas un bagage palpable, c'est des indicateurs de résultats gagnés. Ah bon? Oui, ça veut dire que, ou dit que
ou dit que dans santé ou à tel niveau, c'est des indicateurs qui parlent baoul. Mm-hmm. Donc, mon malade là à l'hôpital, qui vient le retourner, est-ce que le tourne est guéri, est-ce que, etc. C'est des indicateurs. Là, on va le mettre son graduation pour joindre des chiffres qui parlent pour des indicateurs de résultats. Mm-hmm. Pas nécessairement dans un match football qu'on ait ces deux goals qui fait, etc. Mm-hmm. Mais le plus souvent, les indicateurs, ils participent de vecteurs de développement. En éducation, par exemple, c'est des indicateurs pour le gain. Comme si on nous gagne, l'on parle avec un petit monde, on dit que ça a formé. L'on parle avec un jeune petit monde. Regardez, production agricole. Quand on dit production agricole, ça va être moins. Il y a une bonne quantité de monde qui va le marché. Il y a un produit disponible. Et pas des produits qui sont sortis à l'étranger. Donc, quelque part, il y a un indicateur. Quand même, parce que il y a des étrangers quand ils sont là en Haïti, ils disent, je joue flux qui ne. Et visage, ti haïtien, non, mais ti haïtien, je dis, ah, son pays que de mouni yo pas mal parce que yo mange, gen un résultat de un croissance. Ouais. Ou gen des indicateurs. Mm-hmm. Ça veut dire, l'on parle de indicateur de développement, indicateur. Parce que résultat, il peut se faire sous indicateur. Mm-hmm. Mais maintenant, il y a aussi la profondeur de ces indicateurs qui m'ont donné questionnement, qui m'ont donné évaluation beaucoup plus profonde. Mm-hmm. Ça veut dire que sous pas être là où vous et je, par exemple, sous la rouillon, ou machine à monter, etc. On dit, il y a une vie. Mais en tout cas, ici, sous base ça, par contre, dans le domaine économique, et on dit que l'indicateur est un bon menti. Par exemple, on connaît le gouvernement, l'administration de Prival, l'été mené en politique de telle sorte que, économiquement, le pays a une stabilité macro, tandis que au niveau micro, mon yo papi a bien mangé, il a. Le panier de la ménagère va pas recevoir vraiment ça va de soi, quantité ça et qualité va de soi produit. Pour l'économie, par exemple. Mais même, je souhaitais plus devant, dans le cadre de l'Institut de politique publique, pour en Haïti, nous parler de modélisation économique. Okay. Ça veut dire que je dis, ou bien nous avons assez, on choix. Mais toujours modélisation. Non, en fait, je dis, là, je ne parle pas de modélisation, je ne parle pas de modélisation. Parce que c'est un gros débat, côté que je parle avec un pile économiste sous question. Mais maintenant, ou on doit choisir une politique publique qui permette que ou stabiliser l'économie en dimension pour que macroéconomiquement on va gagner des résultats, microéconomiquement on va gagner des résultats X, mais si c'est un tremplin pour capable joindre tel résultat. Okay. Ça veut dire que c'est des choix de gouvernance, c'est des choix de politique publique, etc. Mais toujours est-il, il y a les indicateurs qui sautent aux yeux, mais il y a aussi des indicateurs qui demandent une évaluation beaucoup plus approfondie. Okay. Ça veut dire que le ça, la dit ça n'a pas calé qu'un pour nous tomber dans la profondeur. Mettre la force. Et c'est presque le dernier tranche nous là, sous question politique publique là. Quelle situation Haïti, de la mesure où Haïti n'est pas capable prêter, Haïti est en panne de croissance, pas croissance démographique, il n'est pas en panne là, il y a pile petit monde qui a fait chaque jour. Et nous ne pouvons pas manger nécessairement, puisque nous disons que pour le pays, il y a deux croissances qui sont pour l'équilibre, et même croissance économique, la tête de plus haut. Hein? Et nous avons des problèmes d'inflation, nous avons des problèmes de croissance. Nous croyons que l'économiste a parlé de croissance et moins X, tandis que nous avons une croissance à deux chiffres, à trois chiffres, etc., etc. Donc, à partir de ce moment, je dis que, par exemple, gain acteur étranger qui fait couper Haïti vive là dans la mesure où son pays a fait don avec. Et nous on une assiette budgétaire financée à moins que 40% et alors que alors gain monsieur Lalocq te dit que nous arrivons dans niveau 65%, mais pays en général du cap peut-être à 40%, c'est-à-dire que sous la base fiscale, base budgétaire pays, Haïti finance peut-être à moins de 40%. Okay. Tandis que l'étranger participait à plus de 60%. À partir de ce moment, son pays qui n'est pas capable de contrôler le développement. Comment une politique publique capable de tenir compte de situation ça, de l'état lamentable que le pays final, a. En final, c'est la question. Ou pas qu'il faire développement. En final, c'est la question qu'il fallait. Et c'est vrai qu'en Haïti, pour que j'aime gagner une gouvernance qui fait que pour mettre Kessner, Farrell, Thomas Lalim et. Pour prendre les mounes, mais en fait, c'est ce système-là qui m'a. Attendez, mais il faut attendre. Parce que je dis, hein, si vous faites une politique publique, il faut que ça soit expert. Je crois que fondamentalement, qu'il faut sortir du fonctionnariat.
c'est un texte que m'écris parce que Aïbo pas supposé publier là non je vais venir. Il faut sortir du fonctionnariat sur la base de budget que nous, c'est à dire que je dis là le fonctionnaire la c'est culture que... du fonctionnaire okay, qui foutait pas mal de okay, c'est, avenue pays c'est là. le là enfin ce qu'on a. Mm-hmm. Elle dit qu'on connaît que le budget par rapport à l'asset fiscal là, il y a 80 millions, 80 milliards, mm-hmm. et puis étrangers à bord 40 milliards. Mm-hmm. Il vient de faire 120 à 122 milliards. Mais c'est l'inverse. Comme c'est l'inverse. Vous gagnez 80 milliards de recettes, mm-hmm. et puis vous jouez 40 milliards de c'est l'aide internationale. Mm-hmm. Ce n'est pas l'inverse. Évidemment, gagnez des prêts, etc., mm-hmm. il compte bon l'autre proportion. Mais ça me donne l'un, il presque en vérité de la palisse. Mm-hmm. C'est-à-dire sur les recettes internes, il y a 80 milliards et puis 40 milliards en sortie des fonds externes. Maintenant, ça, c'est l'approche fonctionnaire de ce qui est. Mais maintenant, il y a plein de réformes qu'on aurait pu aborder au niveau de la planification de l'économie haïtienne qui nous sortiraient de ce bourbier des 80 milliards et des 40 milliards. Maintenant, aussi encore. Les 40 milliards, comment est-ce que ces 40 milliards sont dépensés dans le pays? Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a une vision qui permettrait d'articuler un développement, mmh. ok, se basant sur ce qui est et sur une logique de développement réel? Mmh. Donc, c'est autant de questions qu'a posé Teto. Est-ce que aujourd'hui, là, nous jamais fait ça, on est en modélisation économique. Okay. Donc, il faut sortir. Ça veut dire que aujourd'hui, là, au besoin en vision qui pour permettre ou sortir de ça. Mais ça veut dire que attendez, mais est-ce que je dis tout le monde a parlé par exemple de agriculture moi après ça. Mm-hmm. Tout le monde je dis il pas facile non pour sortir dans importation du riz. Mais tout le monde doit fonti du riz bio dans la Tibonette non exporté. Mais nous faire à l'exportation, mais vous regardez indicateur de oui, etc. Donc ça veut dire que quelque part, c'est pas que vous entrez dans des mesures drastiques, parce qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Mais pour nous relever, pour nous relever. Mais pour nous relever, mais c'est le savoir qui nous permettra de nous relever. Mm-hmm. Si nous toujours étions dans la repartimentos, mais écoute, si nous toujours étions dans la dans les repartimentos, mm-hmm. j'ai grandi au Bel Air, c'est vrai que mes parents ont fait des choix de l'école pour moi qui est différent de l'autre école. Mm-hmm. Mais maintenant les passer moi petit monde qui le vit ensemble avec, c'est une catastrophe. Oui, seul le savoir peut sauver ce pays. Gon bagaille qui plus fort que on domaine qui plus fort que tout ça dit là qui c'est la corruption. Qui c'est le pillage systématique des ressources. Écoutez mais par écoute, un petit groupe. Non mais écoute là écoute et on dit par exemple gros rapport entre la corruption et les politiques. C'est publiques. C'est le grand grain. Est-ce que par exemple soit faire analyse de ressources mais faut ressources tu as objectivement bien alloué, bien dépensé. Faut-il qu'il y ait... Est-ce que corruption par un frein écoute, à une bonne gouvernance, à un ensemble de politiques publiques voilà, efficaces mais c'est clair. Et efficaces? C'est clair. Uh-huh. C'est quoi la corruption? C'est une gangrène. C'est comme d'aller en blessure qui commence, il vient faire malin et puis la faire gangrène. Maintenant, non politique publique, l'offre politique publique, ça fait qu'il faut colliger toutes les informations. Uh-huh. La corruption comme information viendrait sur la table aussi. Okay. C'est-à-dire la corruption vient... Et on sait qu'il y a la corruption. On dit bon. Alors, okay. screener toute information. Non. On a dit dans le forage, on met tout. Faut aller. On dit, bon, ok, j'ai besoin de faire culture développée. Je connais que capable de corruption pour les gens qui ont fait infrastructure culturelle. Mm-hmm. Faut que je fasse en sorte ça, que. Faut mettre un petit loup à pour. Non. Non. Elle dit, on connaît que les gens le font. Le ça, c'est ça fait faut gagner des lois accompagnatrices, etc. Pour si. Au bout du compte, dans une chaîne de travail aux jeunes au monde qui en flagrant délit de corruption. Mais en fait, corruption, tout les vini sont table en dedans, information qu'on va colliger. Et il peut permettre ou dire bon, ou gagne corruption à tel niveau, ou voulez dans 5 ans ça pour réduire corruption de tant dimension à tant dimension. Parce que de toute façon, la corruption est là. C'est un phénomène que vous êtes capable de mater, jusqu'à ce que vous éradiquez. Mais il faudra commencer quelque part. Okay. Donc, ça veut dire que c'est un indicateur de non-développement de la corruption. Donc, maintenant, il faudrait faire en sorte qu'à partir des informations que nous disposons et que nous fassions en sorte que nous finissions par éradiquer la corruption en tant comme que donnée de base. Comme donnée de base. Mm-hmm. Maintenant, c'est toujours pas un secret dans fait qu'on là. Moi dis que moi voilà la vision qui est dégagée et de cette vision, je dois avoir des je fais des choix de politique publique et quand j'assure la enfin, quand nous nous assurons de la mise en œuvre pour que vraiment y aller au bénéfice des populations. Nous arrivons dans l'efficacité. Dans l'efficacité. Dernière question,
c'est le carnaval haïtien. On a pris le carnaval là. Et voilà que l'État doit assurer l'équitabilité de l'allocation des ressources dans le domaine culturel qui a une politique culturelle dans le pays, quand même, même s'il n'est pas efficace. Qui fait que le président de la République a décidé de faire le carnaval au CAI. Et l'Assemblée a 240 millions de gouttes qui prennent investi comme ressources dans Okaï, tandis que Port-au-Prince, c'est 20 millions de gouttes à 40 millions de gouttes que magistrats jeunes. Est-ce que pour assurer l'équité, l'équitabilité, non, même pas est-ce l'équité. Que l'État nous sommes pas injuste? Nous sommes dans ce qu'on appelle la dérision. Ah bon? Gardez pour vous, je semaine ça. L'étant pour que y ait pas galvaudé le savoir expert, les journaux se plaignent de ce que c'est un coup d'âme de tomber dans feu follet. Ce que moi-même j'appelle dans une publication que j'ai faite sur Facebook, ça me relaie un carnavalisme aigu chronique. Thomas Lalim, économiste de son état, parlait de la République du carnaval. Franz Duval, quoi, ils font un texte assez intéressant. Ou qu'on aime des gens qui disent que non campagne contre le président, au contraire. Non, il n'est pas nécessaire. Comment qui relie mes dîmes? Peut-être ça. Que le trop bonheur. Non, mais écoutez, c'est les signaux qui sont mauvais. C'est les signaux qui sont mauvais. Mais même, moi, je pensais que si on fait état des lieux, nous nous serions dit, soit que 5 ans, nous faisons 2 carnavals par année, l'on fait quantité, l'on ménorer, comme par année, à l'Iba ou 1 million, 1 milliard, enfin, à 100 000 gouttes par carnaval, il y a 200 millions, 100 millions, bon 200 millions, 5 par 2, bon 10, 1 milliard, et nous faisons barrer le Carifestac qui fait 450 millions. Ça va nous 1 milliard 450 millions de gouttes. Au bout du compte, qu'est-ce que nous avons eu au champ de Mars? Nous avons un bel enterrement, côté que et nous faisons hôtel en mort, etc. Dans une publication que j'ai faite, j'ai dit que si nous continuons comme ça, 2017, avec cette déraison de carnaval, arrivé pour 2022, nous pas même rété sépulture, pas bien sépulture et ni tout nous pas bien funérailles parce que comme on se dit tout à l'heure, nous finirons par mourir mourir nous tous parce que là nous en délire, nous en mode délirium, oui. N'a déliré. Parce que justement, il y a pas une pensée. La pensée aujourd'hui, c'est que les mairies sont porteuses de cette prérogative municipale. L'État central te gen doit venir, il dit que pour raison pour l'autre, gen doit insuffler dans telle ville, mais c'est pas vraiment vous mettre en compétition. Mais avec un souci, même pas avec un souci d'équitabilité. Maintenant, si tu vois par exemple, si vous regardez sur le net aujourd'hui, il y a plein de zones côté éliminer carnaval. Parce que le carnaval peut être rentable tout comme le carnaval là rentable. C'est ensemble de faits subsidiaires oui qui fait le rentable. C'est-à-dire là disons carnaval le Port-au-Prince destination mon absolute en France mon absolute en Washington DC mon absolute Fort Lauderdale mon absolute Boca Raton pour y a venir Port-au-Prince y a louer hôtel y a descendre camoun manger à fête quoi va fête dans hôtel quoi va fête dans bar mais y a voilà ce qu'on appelle la rentabilité. C'est des faits subsidiaires par rapport à cette rentrée réelle et justement parce que c'était vous parler maintenant l'entrée non dynamique par exemple. Moi, sont des raisons. On des raisons, moi-même, c'est des signaux qui me font peur. Que un président capable de gonaïve, sous champ de masse, Jacmel, Libral, Okaï, Port-au-Prince, et la municipalité de Port-au-Prince est réduite à un pot de chagrin. Très bien. Moi, j'avais demandé au maire pour qu'il ne pas mener débat dans l'université. Parce que nous, tout le monde, écoutez. Bon, Kessler Farrell est d'accord qu'il faut faire le carnaval d'une autre façon. Thomas Lalim dit comment il faut faire. Je dis ce qu'il faut faire. Ou même, on dit qui j'ai pour le faire. Moi, dans le café Philo, hier, il a parlé de lui. Philippe Saint-Louis. Mais pour qui ça ne pas mettre toute sa voix expert, Yoshita, et puis nous font orientation pour dire voilà, là où nous merci, voulons Yves aller. Merci, mais non, il faut freiner la déraison. Il faut que nous ayons de vraies politiques publiques. Et les politiques publiques qui commençaient par colliger les informations, développer le savoir expert, assurer de l'intra-cohésion et de l'intra-cohésion, développer le projet pilote et ensuite assurer qu'il y ait des lois pour que les politiques publiques demeurent. Et les résultats sont là. Absolument. Merci, maître Yves Lafortune. Vraiment, c'est un plaisir pour me recevoir Yves Lafortune, tout jovial, qui lui-même, dans le domaine, tant que poisson, cap nager dans l'eau, pour parler de politique publique.
l'État et les politiques publiques sont bagay qui est important pour la gouvernance, pour la gouvernabilité d'un pays. Les politiques publiques, les constituer le quotidien de l'État. Ça veut dire un instrument, un ensemble d'instruments d'opérationnalisation de ça nous voulons faire comme projet, comme programme, comme activité avec action. Et leur intervention en fait bien, il faut qu'acteurs entendent ce dit, il faut qu'il y ait ressources qui sont disponibles pour ça et il faut nous tous capables de voir les résultats. Maître Yves Lafortune, c'est un plaisir pour me recevoir là. Merci, vous êtes bon de l'eau. Et si je suis poisson, c'est parce que je suis de l'eau. Très bien. Et justement, parce que nous avons parlé de solidarité, je crois qu'il y a une façon pour nous faire solidarité. Ce n'est pas pour nous prendre un paquet de millions de gouttes dans le concentré au CAI ou bien Port-au-Prince, alors que le pays a de l'autre problème qui est plus grave. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une dialyse pour assurer que la fête de jour en plus dans le pays. Si nous parlons de solidarité, il faut parler de solidarité nette. Et les gens nous font solidarité. Il faut que toute population entende sur qui j'ai fait solidarité parce que c'est un bon point solidarité à eux, mais il ne faut pas galvauder. Bye bye tout le monde, émission Analyse, c'est la semaine prochaine.